journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les violences racistes se poursuivent aux États-Unis malgré les efforts de Martin Luther King, dont la journée est observée aujourd'hui. À suivre dans ce journal, les différentes actions de cette icône de lutte antiraciale. Les producteurs agricoles de la région des savanes demandent l'irrigation, les unités de production d'engrais et la transformation locale des produits. Telles ont été les recommandations du forum qui a pris fin à Dapaon. Toujours à Dapaon, en cette période d'harmattan, des cas de méningite sont enregistrés. Le ministère en charge de la santé prend des dispositions et appelle les populations à adopter des mesures de prévention. Et puis sport, vous suivrez les résultats de la 11e journée de la D1 Lonato dans cette édition. Radio Lomé.tg. Ils essaient de me tuer. C'est la dernière phrase de Kenan Anderson, un Afro-Américain tué dernièrement par la police à Los Angeles. Ce sont ces types de violences que dénonçait Martin Luther King quand il a été abattu. Défenseur des droits civiques, ce pasteur baptiste a lutté pour la liberté des Afro-Américains. Retour sur ses actions avec Hélène Assabi. Oui, Bénédicte, Martin Luther King est connu pour ses actions contre la ségrégation raciale dans les transports en commun et son combat pour l'égalité des droits aux États-Unis. Ainsi, le 28 août 1963, il a prononcé un discours célèbre durant la marche pour l'emploi et la liberté intitulé « I have a dream, j'ai fait un rêve ». Il commence alors une campagne contre la guerre du Vietnam et la pauvreté. Ses actions ont malheureusement pris fin avec son assassinat le 4 avril 1968 à Memphis à l'âge de 39 ans. Aujourd'hui, même si l'intégration des Afro-Américains ne soulève plus d'opposition, ce groupe souffre toujours d'un certain handicap économique et social. Les crimes contre les Afro-Américains se poursuivent. On se souvient de George Floyd, tué par un policier blanc en 2020, de 10 Noirs tués dans un supermarché à Buffalo, toujours par un blanc en mai 2022. La dernière victime en date est ce jeune de 31 ans, Kenan Anderson, abattu par la police à Los Angeles le 3 janvier dernier. Hélène Assabi, la vie des Noirs compte. Retour chez nous en agriculture, la région des savanes demande au gouvernement la création des unités de production d'engrais, l'irrigation des sols et la transformation locale des produits agricoles. Ce sont entre autres les recommandations issues du forum des producteurs agricoles tenu à Dapaon. Le point avec Odette Pira. Après 3 jours d'échange, les producteurs de céréales, de légumineuses et les éleveurs demandent l'irrigation des sols, la poursuite des travaux d'aménagement, des zones d'aménagement agricole planifiées et des bas-fonds, l'installation des unités de production d'engrais, des actions de soutien à l'agriculture dans la région des savanes et la promotion des provenderies ou des sites de fabrication de nourriture pour la volaille. L'accès au financement, l'ouverture des pistes rurales, le système d'urgence maladie aux producteurs, la mise en service de l'agence de transformation agricole et la poursuite de l'organisation des forats régionaux démarrés cette année font aussi partie des recommandations. Le chef de l'État, Forest Osmania Zigbe, a promis s'engager dans la sécurisation des populations et des terres. Ce dialogue engagé avec les producteurs agricoles répond à sa vision, celle de faire de l'agriculture une haute valeur ajoutée, un véritable levier de croissance, de création d'emplois et de garantie dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le chef de l'État a aussi rappelé aux producteurs les objectifs qui sous-tendent les réformes initiées dans le secteur agricole en vue de faire des producteurs de véritables entrepreneurs et acteurs de développement socio-économique. Une remise de matériel aux producteurs et des communications ont aussi marqué ce forum de Dapaon. Odette Pira, toujours dans le domaine agricole, la culture de la pastèque constitue une filière à fort potentialité de croissance économique. Les producteurs togolais de la pastèque fondent de grands espoirs sur cette culture qui est très rentable. Juliette Kandé nous parle des avantages de ce fruit légume. Pratiquée pendant longtemps de manière traditionnelle, la culture de la pastèque s'est peu à peu muée
d'une culture de subsistance en une véritable filière pleinement orientée vers la commercialisation. Akouelem Kokou Yakanga, producteur, distributeur de pastèques, partage son expérience. La culture de pastèque, c'est vraiment une bonne culture. Ça avantage beaucoup. Côté paysan, ça avantage. Parce que c'est une culture que ça passe. Le rendement aussi est un peu bon. Si Dieu met sa main dedans, c'est une culture de 70 à 80 jours. Tu récoltes et tu sèmes encore une autre chose. Et voilà que bon, tu peux faire la superficie de 1 hectare. Si ça donne bien, tu peux vendre, gagner là-bas même jusqu'à 1 million à 500, bien, disons même 2 millions si le rendement est bon. Moi, je veux que c'est vraiment une culture qui est bonne pour nos cultivateurs. Est-ce que les conditions de démarrage de la culture de la pastèque ne sont pas contraignantes et surtout chères? Akouelem Kokou. C'est capital initial qui est un peu important. Par exemple, pour débuter le travail, c'est ça qui est un peu important. Tu peux commencer le champ de pastèque avec 20 000 ou bien avec 30 000. Sortir avec 500 ou bien 600 000. Oui, beaucoup de personnes vont se lancer dans la culture de la pastèque. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de mévente? Maintenant, les gens mangent beaucoup de pastèque. Les gens paient. Les gens connaissent la valeur de la pastèque. Des fois, nous amenons jusqu'à 4 à 5 camions ici. Et ça termine. Ça finit dans 2 à 3 jours. Donc, ça montre déjà qu'il y a de la clientèle pour ça. Tu ne veux pas faire pastèque et gâter dans les champs. Non. Tu vas gagner le double de ça même. Le triple, même. C'est-à-dire, tu vas gagner sur ça même. La pastèque, non seulement rapporte de l'argent, mais elle est un fruit qui a d'énormes valeurs nutritionnelles pour notre santé. Merci à vous, Juliette. Comme dès la suite de cette édition, Lomé a étudié le financement des entreprises en Afrique. C'est l'essentiel d'une conférence internationale sur le financement qui se tient mercredi et jeudi prochain dans notre capitale. Charlotte Ahar. Les défis liés à l'économie en Afrique et les stratégies pour y arriver seront au cœur de cette conférence de 2 jours. Les experts financiers, les entrepreneurs, les avocats et les décideurs seront à ce rendez-vous. Les pays africains et les institutions comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, Togo Invest, le patronat béninois sont associés. Les barrières qui empêchent les entreprises de réussir seront également évoquées. Aussi, les participants vont connaître ce qu'est le business commercial et auront des informations sur les attentes des établissements de crédit, des banques et des fonds d'investissement. Santé à présent, des cas de méningite ont été enregistrés dans la région des Savanes et plus particulièrement dans le district de Loti Sud. Des investigations sont en cours pour la recherche d'éventuels cas dans la communauté en vue de leur prise en charge précoce. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins a pris des dispositions pour la prise en charge des cas dans les formations sanitaires, de la détection précoce à travers la recherche active des cas dans la communauté et la confirmation au laboratoire. Pour prévenir la méningite, le ministre en charge de la Santé invite la population à adopter les mesures suivantes. Éviter de rester en milieu poussiéreux ou se protéger le nez et la bouche contre la poussière. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Se protéger le nez et la bouche en cas d'éternuement et de toux. Éviter le contact étroit avec les personnes malades. Se faire vacciner. La vaccination est la mesure préventive la plus efficace. Se rendre dans la formation sanitaire la plus proche en cas de symptômes pour une prise en charge adéquate et rapide. Le ministre en charge de la Santé compte sur le civisme et la vigilance de tous pour prévenir et lutter efficacement contre la méningite dans notre pays. Justement, c'est quoi concrètement la méningite et comment s'en prévenir? Suivons ce magazine sur cette maladie avec Alice Bert-Barandao. La saison sèche est marquée souvent par des maladies infectieuses et respiratoires parmi lesquelles la méningite. C'est quoi concrètement la méningite? Docteur Eto Maoli Kaga, chef section de la surveillance des maladies à potentiel épidémique et des urgences au ministère de la Santé. La méningite, c'est une maladie infectieuse qui attaque l'enveloppe qui entoure le cerveau et la moelle épinière, que nous appelons les méninges. Donc, par rapport à cette maladie, elle peut être bactérienne, virale, parasitaire ou mycosique. Donc, par rapport à ces différentes attaques, les traitements diffèrent. Donc, le diagnostic pour s'assurer que c'est tel microbe qui a attaqué notre ménage est important pour lutter contre cette maladie. C'est ça. On va comprendre que si on a la méningite, il ne faut pas qu'on ait peur qu'il y ait un traitement. La méningite se traite. L'essentiel est que le diagnostic soit fait tôt pour qu'on puisse réagir à temps. Et si nous faisons ça, normalement, on ne doit pas décéder de la méningite.
En dehors du traitement, est-ce qu'on peut prévenir la méningite? Oui, on peut prévenir la méningite d'abord par les moyens de bord. La contamination est aérienne par les gouttelettes, les toux, les éternuements. Donc, c'est pour cela qu'il faut mettre la barrière. La barrière, c'est ce que nous avons l'habitude de faire contre le corona, à savoir mettre les babettes, les cache-nez, se laver régulièrement les mains, parce que l'acte main, nez ou bouche, c'est très rapide. Bon, lorsque la main est propre, ça veut dire qu'on ne va pas contaminer le nez ou la bouche pour qu'on puisse donner l'opportunité à ces virus ou bien à ces bactéries de pouvoir aller attaquer les méninges. Donc, il faut continuer de respecter les mesures barrières éditées par le gouvernement. L'héritage que nous laisse Covid, donc ça veut dire que nous pouvons l'appliquer pour toutes les maladies qui ont les mêmes modes de contamination. Mais disons, la deuxième prévention, c'est la vaccination. Il faut se prévenir en se vaccinant contre la méningite. C'est ça. Avant de faire la vaccination, est-ce qu'on doit se dépister d'abord pour voir si on a méningite ou quelles sont réellement les dispositions à prendre avant cette vaccination? Nous n'allons pas nous dépister. Ce n'est pas le protocole de prévention lié à la vaccination. Ce que nous avons l'habitude de faire, c'est que en période de cette période d'armatan qui favorise la contamination liée à la maladie, on demande à la population de se faire vacciner avant l'arrivée de cette période. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore contaminés, lorsque nous avons une épidémie de méningite, la population qui ne manifeste pas encore la maladie sont tous vaccinés, sans dépistage. C'est ça. Alors, il y en a qui voudront aller faire la vaccination. Quelles sont les dispositions à prendre? Non, c'est de s'approcher de structures sanitaires publiques. Généralement, lorsqu'il y a épidémie, le gouvernement donne les vaccins pour que on puisse prévenir cette épidémie au sein de la population. Maintenant, lorsque il n'y a pas encore l'épidémie, pour prévenir la maladie, nous exhortons la population à s'approcher des structures sanitaires pour avoir les renseignements afin de s'offrir des vaccins pour leur propre santé. Prévenir vaut mieux que guérir. Mettons tous ces conseils en pratique pour nous éviter la méningite. Merci à vous, Alice Berthe-Barandao. Il est un constat déplorable aujourd'hui à Lomé et dans certaines grandes villes du Togo, le refus des usagers d'obtempérer aux ordres des policiers dans la réglementation de la circulation. Que pensent les uns et les autres sur ce sujet? Yao Kamake nous en parle. Oui, Bénédicte Kanda, vous l'avez dit, il est un véritable incivisme, le refus des usagers de la route, à moto ou en voiture, de respecter les consignes des policiers routiers dans la réglementation de la circulation. C'est un phénomène de nos jours qui devient récurrent et qui est décrié par les autres usagers. Les policiers, il faut rentrer en sécurité. Rentrer en sécurité, c'est pas pour eux. Si c'est pour eux là, ils vont rester à la maison. Donc on doit respecter. Si un policier, un agent de sécurité qui est au carrefour et en train de régler la situation, il monte la main, on doit regarder la main et s'arrêter. Ce qu'il ne faut pas, c'est pas bon. C'est dangereux. Je pense que les policiers dans la circulation et qui réglementent la circulation, c'est pour les biens des usagers de la route. En temps normal, avec une bonne éducation civique, nous devons obtempérer, respecter les consignes des policiers. Et s'il y a quelqu'un dans la circulation qui ne respecte pas ou qui n'obtempère pas, moi je le prends comme un délinquant de la circulation. Et pour les autres usagers de la route, le non-respect des consignes de la police dans la circulation est source d'accidents. Si on ne respecte pas la réglementation des policiers, d'abord vous mettez votre propre vie en danger, vous mettez la vie du policier qui est en service pour le bien-être de la population en danger et vous mettez en danger la vie des autres usagers. Vous irez cogner, ramasser l'enfant de quelqu'un gratuitement et peut-être un dommage corporel pour toute sa vie. Les corps habillés réglementent la circulation pour le bien de nous tous. Ne pas obtempérer à leur ordre est une inconduite dangereuse pour la population. Yao Kamake, la NPE recrute 1000 jeunes. Initialement fixée au 13 janvier 2023, la date de clôture de soumission des candidatures pour le recrutement des opérateurs couturiers pour une société de la plateforme industrielle d'Atikope Pia est prorogée au 17 janvier 2023 à 17h GMT. Notez bien, les jeunes désireux de faire acte de candidature sont invités à remplir le formulaire en ligne uniquement disponible sur le www.anpetogo.org.
Sport, à l'issue de la 11e journée de la D1 Lonato, ASCO devient le leader de l'heure grâce à la première victoire de Gomido face à l'ASK. Milek Agboukou. La première défaite du leader ASK Akpalimé devant Gomido, qui enregistre sa première victoire, propulse ASCO de Kara à la tête du classement. ASCO n'a pas fait de cadeau à Unisport 3-0. Gomido bat ASK 1-0. Au stade Atakpamé, Tambo retrouve du sourire après une traversée du désert. 2-1 face aux Anges de Ngotchen. Dito bat AS Togoport 1-0. En match avancé, Kakadl et Entente 2 se séparent 1-1. AS Bina gagne Sara 1-0 et FC Espoir perd devant AS OTR 0-2. Le match entre Semassi de Sokoré et Boulou des Lacs est reporté à une date ultérieure. Sur le podium, ASCO, ASK et AS Bina occupent respectivement première, deuxième et troisième place avec 25 points, 22 points et 19 points. Au bas du tableau, Tambo 14e 8 points, 15e Entente 2 7 points, puis Sara FC 5 points. Mais la deuxième journée va vite arriver ce mercredi. Sara FC joue Gomido au stade municipal de Kara. À Sokoré, Unisport croise Kakadl FC. À Takpame, Ange joue FC Espoir. Le même mercredi au municipal d'Anejo, Bolosu affronte ASCO. ASOTR donne rendez-vous à Dito au terrain d'Ablogame. Au stade municipal de Lomé, AS Togoport joue Semassi FC. Puis jeudi, ASK croise AS Bina au municipal de Kara. Et puis, au stade municipal de Lomé, jeudi, en temps 2, va y défier Tambo FC. Et puis l'information insolite pour terminer. Au Nigeria, l'insécurité et la multiplication des enlèvements donnent des idées à certains. Ainsi, un pasteur dénommé Albarka Bitrus Sukuya, qui officie près de la ville de Jos, dans le centre du Nigeria, aurait mis en scène son propre enlèvement, d'abord le 14, puis le 30 novembre dernier. Objectif, empocher l'argent versé pour sa libération. La première fois, les fidèles de son église ont payé 40 000 naira pour le faire libérer. La deuxième fois, 200 000 naira, soit environ 650 000 francs au total. La police a fini par convoquer le religieux qui a avoué avoir organisé sa propre disparition avec l'aide de 3 complices. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi en notre compagnie. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg.